Alléluia, alléluia. Bonjour les bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. C'est votre moyen. Il faut aimer ce que nous faisons. Alléluia, il faut s'abonner et il faut apprécier. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Voilà, nous allons présenter ce moment au Seigneur, notre Père et notre Dieu, notre libérateur, notre forteresse, notre salut. Je vais te dire merci en ce jour béni. Je vais te rendre toute la gloire, Père. Je vais te dire merci pour la guérison, le souffle de vie. Je vais te dire merci, merci, roi des rois. Et béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre Jean 3, verset 16. Alléluia. Voilà, c'est la pensée du jour. Alléluia. Il faut aimer ce que nous faisons. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Voilà, nous allons prendre Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Toi qui écoutes, toi qui médites la parole jour et nuit, il y a beaucoup de bénédictions dans la parole. Alléluia. Le Dieu très haut qui a donné son Fils unique, son Fils, c'est Jésus. Jésus n'est pas venu pour nous condamner, mais Jésus est venu pour nous sauver. Alléluia. Jésus est venu pour te sauver, pour me sauver. Alléluia. Partageons Jésus aux gens qui ne sont pas encore dans le Seigneur, qui ne sont pas encore dans la foi. Il faut leur parler de Jésus. Il faut leur parler de la réconciliation. Dieu est venu nous réconcilier avec lui. Alléluia, nous étions séparés de lui et il envoie Jésus pour nous libérer, pour nous mettre en connexion avec lui. Le Seigneur est tout puissant, son amour nous environne, accrochons-nous au Seigneur. Alléluia, comme j'aime bien le dire, le Saint-Esprit est en action. Jésus-Christ est dans nos vies par le Saint-Esprit qui est en nous. Alléluia. Toi qui ne connais pas encore le Seigneur, qui m'écoute, alléluia, que Dieu te donne de te brancher à lui, d'être converti, de t'accrocher. Alléluia. Quiconque croise en Jésus a la vie éternelle. Ça veut dire qu'il y a la vie dans Jésus. Il y a la vie en Jésus-Christ. Alléluia. Tu ne connais pas Jésus, tu vas à l'enfer. Donc, tous ceux qui m'écoutent ce matin, qui donnent leur vie à Jésus, Jésus-Christ est notre Dieu, il est notre Pâque, il est réel, il est fidèle. Jésus est fidèle, Jésus est merveilleux, Jésus est tout-puissant, Jésus protège, Jésus élève, Jésus bénit. Alléluia. Si tu crois en Jésus, tu crois en Jésus, tu auras la vie éternelle. Il est venu pour te montrer le chemin. Il est venu pour que la vérité, la lumière soit sur ta vie. Jésus-Christ est venu pour nous réconforter. Jésus-Christ est venu pour nous libérer de tous ces fardeaux, de toutes ces puissances des ténèbres. Jésus-Christ est là pour toi. Toi qui m'écoutes ce matin, Dieu t'a donné Jésus. Accroche-toi au Seigneur et tu auras la vie. Accroche-toi au Seigneur et le Saint-Esprit va t'aider à gravir des échelons. Et la parole de Dieu nous dit, le chrétien est comme un homme en armes. Alléluia. Que Dieu te bénisse, toi qui m'écoutes ce matin. Que Jésus-Christ t'aide. Alléluia, c'est la pensée du jour. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse, qu'il te fortifie, que le Seigneur te donne le courage d'avancer. Réveille-toi, relève-toi. Toi qui dors, lève-toi, réveille-toi et continue ta marche. Alléluia, que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Amen. C'est votre moyen. Il faut aimer, il faut partager et il faut s'abonner. Au revoir. Nous allons terminer par la prière. Père, je vais te dire merci. Merci pour ces belles paroles. Alléluia. Jésus, je vais te rendre toute la gloire. Merci, roi des rois. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Au revoir.